découverte d'un DJ de 14 ans qui me fait amener à la piste de danse. Fier de mon fils. Salut les gars, nouvelle vidéo vlog aujourd'hui, vlog prestation DJ. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui sera derrière les platines. Alors je t'emmène avec moi sur une vidéo un peu spéciale à la découverte d'un petit jeune, il s'appelle Timéo. Timéo, c'est un grand passionné. Timéo, il a 14 ans, comme moi, quand j'avais son âge. Cette vidéo, je t'emmène avec moi en immersion totale sur une de ses prestations. Attention, on y va. Salut, je m'appelle Timéo. J'ai 14 ans, je kiffe le DJing, c'est vraiment ma passion. J'aimerais faire ça plus tard. C'est ce qui m'a donné envie, c'est quand j'avais 8 ans, j'ai kiffé ça. Donc maintenant, je vais te présenter ma sono et on y va. Alors j'ai le DDJ 400 de chez Pioneer avec un PC Thomson, DMX512 avec émetteur et DMX sans fil, des micros de chez JBL avec un casque Sony pour la table de mixage. Ici j'ai un PM422P, ça me sert à régler le micro, les sorties pour les musiques de l'apéro, etc. Un autre PC qui me sert pour les musiques de l'apéro, etc. Ça me sert des fois si les gens me demandent des musiques. Un PC de secours au cas où si ça coupe, je balance direct. Alors, les lyres BIM, c'est des AliExpress. Franchement, elles sont pas mal. Ouais. En watts, c'est combien? 60 watts. J'ai des lyres Wash de chez Algan Light de 70 watts. Un stroboscope de chez Aira, un stroboscope de 60 watts. J'ai un laser de chez Laser World. Franchement, il fait vachement le taf. Il éclaire bien, bien, bien. J'ai des HK qui sont juste ici, une de chaque côté. Est-ce que t'en es content? Ah oui, alors là, je vous le conseille vraiment, HK, c'est vraiment une dinguerie. Donc j'ai vu les petites nouveautés que t'as ici, là, les petits jazzers. Et d'ailleurs, j'en ai acheté deux aussi parce qu'en fait, tu m'as donné envie. Comme quoi, tu vois. Est-ce que t'en es content? Ah ouais, alors ça fait vraiment un beau rendu niveau sono. C'est 1200 watts, donc ça envoie. Comment tu fais pour t'acheter tes jeux de lumière comme ça? J'imagine qu'il y a un petit peu de sous à Noël, un petit peu de sous anniversaire. Tu fais aussi un peu de prestat de temps en temps en famille. C'est comme ça que t'arrives à t'acheter du matos? Ouais, exactement. Ouais. C'est à Noël, à mon anniversaire et en famille. Ouais. Je me fais des petites prestations en famille. Ouais. Je suis vraiment pas du tout à l'aise avec le micro. Au fur et à mesure du temps, peut-être que ça va se faire. Je répète, la table 6 peut aller se servir au fromage. Mais je suis vraiment pas du tout à l'aise avec. T'inquiète pas, ça va venir. Ouais, j'espère. Tu fais un coucou à la caméra? Sa performance a été bien plus qu'une simple soirée musicale. C'était pour moi une simple leçon de vie pour tous les aspirants et jeunes DJ. Du haut de ses 14 ans, Timéo a réussi à enflammer le public d'une manière incroyable. Malgré, c'est vrai, quelques petites lacunes dans sa culture musicale et ses playlists. Une véritable passion et détermination exceptionnelle. Il a su gérer son stress, gérer les demandes reloues que tous les DJ connaissent. Félicitations donc à Timéo pour cette expérience hors du commun. Un véritable message inspirant à tous les DJ en herbe qui souhaitent un jour que leur passion devienne un métier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner, à partager et moi, je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.